Vous connaissez le dicton, hein, on dit qu'il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est mamie qui me l'a rappelé en lisant ma chronique tout à l'heure, donc je l'ai ajouté. Ben, en socialade, c'est un peu pareil. Vous avez l'embarras du choix pour varier ses paniers. C'est l'heure maintenant de donner la parole à Maud d'AdsUp Consulting, qui chaque mois explique le digital à sa grand-mère. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer comment diversifier sa stratégie mix média sur TikTok, Snapchat et Pinterest. Maud, c'est à toi. Alors, attendez, cette vidéo s'adresse à votre marque. Si, petit 1, vous avez des campagnes social ads, mais que vous aimeriez obtenir de meilleures performances, plus de chiffre d'affaires, plus de ventes, plus de trafic, plus de visibilité, vous m'avez comprise. Vincent, d'ailleurs, d'après toi, quels sont les trois mots-clés, les trois souhaits qui reviennent le plus souvent chez les marques quand on parle de stratégie d'acquisition? Alors, je vais te le dire parce que tu m'as demandé de rester dans les 2 minutes de chronique. Ils aspirent tous au fameux triptyque synergie, mix média et performance. Et savez-vous comment tirer parti des synergies dans votre mix média pour vous assurer un maximum de performance dans votre stratégie social ads? C'est le but de cette vidéo. J'ai plusieurs tips pour vous, et une surprise d'ailleurs à la fin de la chronique, pour vous expliquer tout ça. Mais d'abord, salut à tous, moi c'est Maud Berenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale AdsUp Consulting, et aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment enrichir sa stratégie mix média en social ads. Vos performances ont peut-être atteint un plafond de verre avec le duo Facebook et Instagram, hein, c'est le duo traditionnel. Découvrez comment booster votre stratégie en tirant parti de la puissance de TikTok, Snapchat et Pinterest. Vous connaissez le dicton, hein, on dit qu'il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est mamie qui me l'a rappelé en lisant ma chronique tout à l'heure, donc je l'ai ajouté. Ben, en social ads, c'est un peu pareil. Vous avez l'embarras du choix pour varier ses paniers, puisque chaque média a vraiment son propre positionnement et sa propre audience bien spécifique. Et pas forcément ultra jeune comme on pourrait le penser. Pinterest, c'est vraiment la plateforme de l'inspiration. TikTok, c'est les tendances. Snapchat sont les rois du divertissement. Et pourtant, hein, nos annonceurs continuent de les bouder dans leur stratégie. À se demander pourquoi, en fait. C'est bien parce que Jean-Claude, Sarah et tous vos autres personas n'utilisent pas les mêmes réseaux que cette diversification de votre stratégie, elle est capitale pour vous assurer le maximum de visibilité pour votre marque. À moins que vous préfériez laisser du terrain à vos concurrents. N'hésitez pas en fait à profiter des différentes capacités de ciblage aussi. Vous avez le retargeting, les audiences similaires ou encore les centres d'intérêt. Et surtout, profitez de leur panel de format publicitaire qui est tout aussi fourni que Facebook et Instagram pour rendre votre contenu attractif aux yeux d'une audience qui est tout aussi intentionniste. Une bonne stratégie omnicanale, on le rappelle, c'est s'assurer petit 1 de la visibilité, petit 2 de l'engagement et petit 3, c'est surtout ça qu'on aime, plus de conversion. Enfin, le dernier tip, ce que j'avais évoqué dans ma vidéo du Tech Show où j'expliquais à mamie ce que c'était le scroll stopper. Pensez à adapter vos contenus à chaque plateforme. Ça peut vraiment être game changer, c'est pas seulement quelque chose qu'on radote à chaque vidéo. Ça vous motivera d'ailleurs de savoir que 45% des utilisateurs sur TikTok ne skippent pas les vidéos, ils skippent pas les publicités du réseau parce qu'ils les considèrent comme créatives, contrairement à YouTube où c'est un petit peu plus challengeant. Donc être caméléon, c'est un peu la stratégie numéro 1 en fait du mix média. Voilà Vincent, j'ai une dernière surprise pour les spectateurs du Tech Show. Si cette vidéo vous a donné envie de plus de conseils, plus d'hacks pour apprendre comment diversifier votre dispositif d'acquisition en social ads pour votre marque, on vous a regroupé les best practices et les opportunités éprouvées que représentent Pinterest, Snapchat et TikTok dans un nouveau guide à retrouver sur le lien suivant. Donc, quelque part ici sur l'écran. Je tenais d'ailleurs à remercier les experts AdsUp Consulting et les experts aussi en régie qui nous ont aidés à produire le contenu. J'espère que ça vous plaira. À bon entendeur, salut à tous et bon Tech Show. Merci beaucoup, Maud. C'est vraiment très intéressant, comme d'habitude.